C'est lundi matin, en conférence de presse à la cafétéria de l'hôpital de Montmagny, en présence du député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, du maire Jean-Guy Desrosiers et de plusieurs membres de la Chambre de commerce et des Caisses des Jardins, que la campagne de financement, l'IRM à nos portes, a été lancée par la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Il s'agit du dernier sprint de financement avant l'arrivée de l'appareil d'IRM à l'hôpital de Montmagny et de l'aménagement de la salle de soins. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny a annoncé ainsi ses couleurs, forte d'un président de campagne de haut calibre et d'un grand donateur confirmé. En effet, c'est Richard Guimond, le président de Ressort Liberté et philanthrope émérite, qui dirigera la campagne de financement. Il sera assisté dans sa tâche par messieurs Charles Denault et Jacques Bernier. Monsieur Justin Lepage, président de la Fondation, s'est réjoui de donner le coup d'envoi de la plus importante campagne de financement dans l'histoire de l'organisation, puisque c'est l'année du 35e anniversaire de l'entité. À ce sujet, réunir le 1 750 000 $ nécessaire pour l'IRM est la plus belle façon pour lui de souligner cette année particulière. La première mission de nos philanthropes locaux sera donc de relancer les entreprises et les organisations qui avaient manifesté de l'intérêt en 2011 et d'approcher de nouvelles entreprises. Déjà, 1 million avait été garanti par les entreprises locales afin de prouver au gouvernement la volonté et le sérieux des gens de la région pour l'obtention d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique. Maintenant, l'objectif de cette opération est de consolider le million et de récolter au total 1,3 million de dollars par diverses démarches de sollicitation des entreprises. La campagne a d'ailleurs démarré sur les chapeaux de roue, puisque les Caisses des Jardins des MRC de Montmagny et de Lillet ont confirmé leur statut de donateur principal avec une contribution de 250 000 $. C'est d'ailleurs Mme Francine Pellerin, la dynamique présidente du comité des directeurs généraux du réseau des Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, qui en a fait l'annonce, insistant sur l'importance de pouvoir compter sur des soins médicaux complets à proximité. Mme Pellerin et M. Guimond ont bien sûr appelé le milieu corporatif à faire preuve de générosité. Ils ont également rappelé l'importance pour la population de s'approprier le projet. À ce sujet, la Fondation souhaite recueillir 450 000 $ lors du volet populaire de la campagne qui se déroulera plus intensivement de septembre à novembre prochain. Une multitude de moyens seront ainsi mis en place afin de faciliter la participation de tous. Entre autres, un site Internet entièrement dédié à la campagne sera mis en ligne au cours de l'été afin de diffuser toutes les nouvelles en lien avec cet important projet et de recueillir des dons en ligne. Rappelons que l'ajout d'un appareil d'IRM viendra bonifier l'offre de soins à l'hôpital de Montmagny. Cet appareil diagnostique génère des images très précises et est essentiel dans le cadre du traitement de maladies tumorales, inflammatoires ou dégénératives des os, des articulations, des muscles, des tendons et des cartilages. C'était José Soucy pour CEMA TV Nouvelles.